Et voici le programme musical riche et varié de cette saison. Tout à fait, Sabrina, avec une ouverture de saison réalisée par l'Orchestre de Chambre de Paris. C'est un orchestre qui a 40 ans d'activité et qui s'est placé parmi les meilleurs orchestres de chambre européens, sous la direction de Lars Vogt, qui vont nous proposer un programme autour de Mendelssohn, Sibelius et Brahms. Poursuivons cette saison avec un orchestre régional, l'Orchestre National de Lille, qui sera présent avec un soliste exceptionnel qui est François Leleu, oboïste de renom, qui viendra jouer un concerto pour hautbois de Mozart, accompagné d'œuvres de Debussy et de Strauss. Et pour poursuivre, Sabrina, un orchestre et un chef bien connus de nos spectateurs, Les Siècles, sous la direction de François-Xavier Roth, cet orchestre qui est en résidence départementale, qui vous proposera deux concerts autour notamment de Saint-Saëns pour une commémoration de ce grand compositeur, avec au programme Bertrand Chamaillou au piano et le Boléro de Ravel. Nous retrouverons également un autre orchestre composé de futurs jeunes talents, de futurs solistes des plus grands orchestres, l'Orchestre français des jeunes, avec un programme classique autour de Mozart, Haydn, Schubert, avec au violoncelle Christophe Coin. Après les orchestres, Sabrina, nous changeons complètement d'esthétique avec Lumière sur Broadway. Lumière sur Broadway, l'occasion de redécouvrir les plus belles comédies musicales, Mary Poppins, West Side Story, Chicago, Chantons sous la pluie, avec des artistes pleins d'énergie et de talent, un retour aux sources jubilatoire, un véritable feu d'artifice. Place ensuite à l'improvisation avec Gabriela Montero, pianiste, compositrice vénézuélienne, à la formation très classique qui s'est orientée par la suite vers l'improvisation. Et ce qu'elle adore faire, c'est, lors des concerts, demander au public un thème, de siffler un thème, et à partir de ce thème, regarder un peu ce qu'elle est capable de faire. Un très grand nom du jazz, Sabrina, Brad Meldo. L'évocation de son prénom suffit à décrire son univers, très riche, innovant, et sous les doigts de ce pianiste, le cœur des spectateurs va s'emballer. Place ensuite à un véritable feu d'artifice à la Cité de la musique et de la danse avec Abraham Inc. Rencontre de trois esthétiques, musique klezmer, funk et hip-hop, tout ça réuni sur une seule et même scène à découvrir. Au même titre que Brad Meldo, l'évocation de son nom va suffire à dévoiler tout le talent de cet artiste, Thomas Dutronc, qui nous revient avec son nouvel album, Frenchie, qui est une revisite de 14 standards de la chanson française. Extrait. Sans problème, oui, la belle vie. On est seul, on est libre, et l'on traîne. On s'amuse à passer. Un autre grand nom de la chanson française, si je te parle d'un album sorti en 1995, qui s'appelait Boire. Miossec ? Miossec, tout à fait. Miossec, qui va revisiter cet album et qui viendra vous proposer une version plus intime de cet album phare de sa carrière. Il remord au matin, car au jour
Saint-Valentin et je me remémore notre nuit très bien comme un crabe déjà mort. Tu t'ouvres entre mes mains, ceci est mon vœu, ceci est ma prière, je te... Un formidable programme de musique qui vous attend et bien sûr toujours à retrouver sur nos sites internet et nos réseaux sociaux.